Bonjour à toutes et à tous. Si les arts martiaux vous parlent, si vous connaissez Kung Fu, la vieille série avec John Carradine, si vous connaissez Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee, ou encore pour les plus jeunes d'entre vous, si vous regardez One Piece ou Naruto, ce qui fait suite à une interview que j'avais réalisée avec Yannick Lecomte au sujet de sa maladie, où il parlait justement de son sensei que j'ai ici, Laurent. Hein, Laurent Boucher, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et son fils, Julien. Julien, oui. Boucher. Pourquoi ce dojo est particulier ? C'est parce que ça s'appelle le CEDRAM. Et le CEDRAM, c'est un centre de recherche. Voilà. De recherche, de développement sur les arts martiaux et tout ce qui se rapporte aux arts martiaux. À quoi, en fait ? On fait de la recherche ? En fin de compte, elle s'applique autant à l'art martial qu'à nous-mêmes, en fin de compte. L'idée de la recherche, c'est l'idée de voir un petit peu différentes disciplines et ce qu'elles apportent, d'où elles viennent. Leur concept, leur philosophie, leur histoire, c'est un petit peu ça au niveau de la recherche. Et aussi au niveau aussi de notre recherche intérieure, en fin de compte, de savoir qui on veut être, qui on veut être vraiment. Voilà. On rejoint l'idée que les arts martiaux, c'est pas forcément une recherche de savoir se battre ou quoi que ce soit. On oublie ça quand même. Hein. Tout à fait, c'est voilà. Exactement ça. Voilà. Il y a ce côté-là, c'est ça qui est l'avantage avec les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il peut convenir à tout le monde. Celui qui veut rechercher que du sport, il va trouver une activité sportive, surtout s'il est dans un art martial où il y a des compétitions, comme le karaté, le judo, etc. Celui qui va être attiré que par le côté simplement se défendre, c'est la défense, il va pouvoir trouver aussi ce qui lui convient. Et après, il y a une autre façon de pratiquer les arts martiaux qui va englober énormément de choses. Autant un peu cet aspect, c'est la défense, protection, mais aussi recherche au niveau intérieur, au niveau de soi, au niveau de plein de choses au niveau de la vie. Alors, on voit là une globalité, en fait, hein, une introduction, parce que c'est assez général. On va voir par la suite quel type de public vient au dojo pour s'inscrire, et puis les différentes recherches qu'il peut y avoir. On a dit tout à l'heure, hein, comme tu le disais, Laurent, ça peut être une recherche intérieure aussi, hein, une force, parce que les arts martiaux, c'est aussi un état d'esprit, une philosophie de vie. Un état, exactement, de façon c'est pensée. Exactement ça. Ouais. Et c'est ce que beaucoup de gens, en fait, oublient, ou pour les plus jeunes, ne sont pas au courant de ça. Donc, c'est aussi pour ça, pour faire découvrir, lors de ce reportage, eh bien, que les arts martiaux, ce n'est pas seulement ce que vous voyez au cinéma, hein, même si Ip Man, l'un des premiers maîtres de Bruce Lee, il y a eu toute une série, une trilogie qui a été faite à la Star Wars, gros blockbuster, cette fois chinois, oui. Une coproduction américaine, ça a été très bien réalisé, très bien fait, mais on n'est pas non plus dans Tigre et Dragon, on ne vole pas, hein, sur les arbres, on ne marche pas. La réalité est peut-être moins fun, on va dire, mais beaucoup plus intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas le poids quand même à porter, vu que le sensei du dojo est ton père, est-ce qu'il n'est pas, on va parler en toute honnêteté, est-ce qu'il n'est pas plus exigeant avec toi qu'avec les élèves, l'élève lambda qui vient s'inscrire de l'extérieur ? Il faut être honnête. Non. Non, parce qu'en fait, il y a, depuis qu'on est petit, il y a papa à la maison. Oui. Papa reste au dojo, pareil, mais il y a sensei. Donc le sensei reste le même pour tout le monde. Il n'y a pas une préférence. Parce que s'il serait plus dur avec moi, il y aurait une forme de préférence en même temps. Oui. Même si je reste son fils, que tout le monde au dojo sait que je suis son fils... Mais il y a ce côté, non, si tu réussis pas, tu réussis pas. Après, quand c'est bien, il va pas. C'est bien. Il n'y a pas d'exigence plus. Après, forcément, il y a peut-être quelque chose un peu plus fort. Mais non, c'est pas visible. Il n'y a pas de préférence visible, d'exigence. Après, pendant les techniques, oui, quand il monte, souvent c'est sur moi, il sait où ça me fait mal, ou mes limites. Donc oui, pour les gens qui sont débutants, oui, ça tape. Ça tape bien, mais il va pas dans mes limites, il va pas pousser. Bon, bah, c'est mon fils, je vais lui en mettre une. C'est pas grave, il rentre. Non, il y a jamais eu de ça. Mais voilà, vu que je suis son père, vu qu'il est mon père, il sait où sont mes limites. Là, pour le coup, ça vous sert, puisque les démonstrations sont plus démonstratives, en fait. Disons qu'il sait, voilà, il sait mieux recevoir, on va dire. Il est habitué, donc comme il est un peu plus avancé que certains, on va dire, c'est plus facile de le frapper, parce qu'il sait comment réceptionner, on va dire, la frappe. Il sait mieux l'encaisser, on va dire, qu'un élève débutant. Mm. Voilà. C'est qu'une question de pratique, en fin de compte. Eh, soyons honnêtes, en tant que père, oui. Tu dois être quand même fier de voir ton fils suivre tes pas. Ah mais oui, tout à fait, bien sûr. Il y a aussi la fierté. Après, l'ego ne fait pas de mal, et n'a jamais tué personne. Fait, mais voilà. Se faire plaisir, voilà, ça fait plaisir, oui, tout à fait. Ouais. Tu souhaites qu'un jour, ils prennent la relève, la suite, il y a aussi un peu de ça ? Qu'il continue, qu'il fasse son chemin à lui, voilà, oui, ça c'est important. Et de ton côté, est-ce que tu penses un jour en faire... Ah oui. Moi, j'ai toujours, au collège, il y a souvent, dès qu'on arrive au collège, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Quel est le boulot que tu veux faire ? Déjà qu'en sixième, on demande déjà ça. Mais alors moi, le premier truc que je disais, c'est prof d'arts martiaux et. Il y avait toujours le et. Parce que je me disais, on ne sait jamais. Mais il y avait toujours ce prof d'arts martiaux. Ça a toujours été dans ma tête. Pas mettre les œufs dans le même panier. Hein.
Voilà, ouais. C'est ça, mais fait. C'est vrai que voilà, j'ai toujours gardé ce truc-là. On va dire que je suis né là-dedans. Je ne me vois pas faire autre chose. Je ne me vois pas avoir passé 24 ans sur les tatamis et dire non, je vais être garagiste ou boulanger. Non, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Moi, je suis là-dedans. Voilà. Mais tu sens qu'au-delà au-delà du fait que tu as eu forcément une influence paternelle au niveau familial, est-ce que pour toi, tu ressens cela comme un vrai choix intérieur de dire, ben voilà, quelqu'un qui connaît pas, moi je connais pas les arts martiaux, je les connais comme tout le monde, comme je l'ai dit en introduction, à travers la télévision, Jet Li et compagnie, c'est vrai que ça fait rêver lorsqu'on est petit, pour les enfants on a su aussi au biberon les alimenter à coups de Karate Kid, hein, pour dire que même, voilà, c'était accessible à tous. Au-delà de ça, est-ce que tu penses que tu aurais fait ce choix, ce chemin, si ton père n'était pas sensei à la base? Alors, comme souvent, c'est une question qu'on m'a posée souvent, dire, on te force. Et comme on dit toujours, un enfant, on est obligé de le forcer. On est obligé de le forcer à manger. Moi, j'ai une petite qui a un an, un peu plus d'un an, je suis obligé de la forcer à faire des choses. Elle va voir, sinon, un bébé reste par terre à jouer. Un enfant, on lui laisse le choix entre aller à l'école ou devant la télé avec des bonbons, il choisira la télé avec les bonbons. La facilité. Donc, il y a un moment, faut qu'il y ait un effort, faut pousser l'enfant. Donc, oui, il y a des moments, bah non, je préférais regarder, comme je disais, mes momés, mes dessins animés, devant la télé, qu'aller à l'entraînement. Ce qui est normal. Ce qui est normal, parce que tout enfant est poussé. Mais après, oui, mon père aurait été boxeur professionnel, j'aurais sûrement fait une carrière boxeur professionnel, parce qu'il y a un héritage familial. Ouais, qui est là. Voilà. Quand le veuille ou non. Comme je dis toujours, quand je viens ici, vous n'êtes pas au dojo, vous êtes chez moi. C'est chez moi, c'est la suite de ma chambre. Oui, c'est une extension de ton espace privé. Voilà, c'est tout chez moi. D'accord. Je reçois des invités qui viennent chez moi. On a vu tout à l'heure que des personnes recherchées quelquefois avaient une démarche très intérieure, d'autres simplement ont envie de découvrir et puis d'apprendre le sport, hein, tout simplement, ou le combat aussi. Alors en règle générale, ceux-là, ce n'est pas ceux qui durent. Oui, d'accord. Alors, ils vont changent. Avoir une carrière sportive, ils vont souvent, des fois, arrêter, bon, quand leur carrière sportive s'arrête. D'accord. Ceux qui restent, c'est ceux qui ont trouvé autre chose dans l'art martial que le sport ou le loisir. Alors, est-ce que tu as, de tes années de pratique et d'enseignant, en gros, des profils types, celui où tu le sens quand même? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, on va dire, à la première rencontre? Il y a des choses qu'on sent à la première rencontre, oui, tout à fait. À force, il y a des choses qu'on sent, oui, tout à fait. Ouais, tu sens le gars qui va venir parce qu'il a envie de faire voilà, voilà, de tous les côtés, casser des briques, il a cette idée. Tout à fait. Et comment tu arrives justement à gérer ce genre de... C'est pas conflictuel, mais de dire, bon, voilà, ça marche pas comme ça. Garçon, je te montrerai vraiment ce que c'est. Est-ce qu'il y a un tour d'horizon, un tour du propriétaire, une discussion assez approfondie de ce côté-là? Comment ça se passe? Au fil du temps, au fil de la séance. De toute façon, déjà, la première séance, ils voient comment c'est. Il y a des choses, il y a des saluts, il y a des choses, on va dire, qui sont très, très martiales, on va dire, très protocolaires au niveau de l'étiquette. Oui, on sait que c'est codifié. Voilà. Codifié. Donc, tout ça, au fil du temps, ça permet de remettre les choses en place. Donc, ceux qui apprécient, ils restent. Ou ceux qui découvrent quelque chose, ils restent. Ceux qui préfèrent plus une activité sportive, ils vont pas rester. Ouais. Ou des fois, ils changent. Des fois, on en a eu qui viennent faire un sport. Parce qu'il n'y avait rien. Et au fil des séances, ils disent, ça agit sur moi. Mais autrement que le côté sportif, adrénaline, physique, ils disent, dehors, même on en a parlé il n'y a pas longtemps à une séance, samedi dernier, il y en a qui en sont à dire, depuis que je suis au dojo, ma vie professionnelle va mieux. Oui, parce que ça a une répercussion aussi sur l'état d'esprit, le comportement et la relation avec les autres, sur le plan social, on va dire. C'est ça, vraiment. C'est ça. D'accord. Je parle souvent, c'est de self-défense extérieure, qu'on parle habituellement dans tous les sports de combat, dans toutes les méthodes de self-défense, mais il y a une self-défense aussi intérieure, c'est-à-dire savoir se protéger de... Avoir le self-control. Voilà, tout à fait. Apprendre à tout se contrôler. Donc, on va parler d'un problème qui est assez... Des casseroles que tu parlais tout à l'heure aussi. Oui. Voilà. Alors, une des casseroles les plus récurrentes peut être aussi, par exemple, bon, je parle de ça parce que je crois que beaucoup de gens ont de colère aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'ils viennent aussi ici libérer leur colère? Bon, je ne sais pas, selon, en fait, les ethnies, on parle de chi ou de qui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà, prononcé différemment. Donc, viennent libérer cette énergie, entre guillemets, négative, parce qu'on parle, il n'y a pas que le combat, il y a aussi le physique, mais aussi le combat intérieur, tu disais, mais une énergie réelle. Hein. On n'est pas du tout dans Dragon Ball Z à faire des boules de lumière, mais c'est très exagéré, il y a réellement de l'énergie. Tout à fait. Est envoyée. Il y a eu des démonstrations assez spectaculaires de certains maîtres qui arrivaient à envoyer toute une ribambelle de personnes qui supportaient X fois son propre poids et arrivaient à les reculer seulement avec presque, je dirais, de l'intention, plus que quelque chose de physique. Alors, ça reste assez spectaculaire, mais ça prouve néanmoins que l'énergie est quelque chose de
réel, de concret, hein, que c'est pas du vent et que du cinéma. Mmh. Et on parlait de casseroles, est-ce qu'ils viennent laisser leur rocher, leur problématique ici, à travers leur couleur ? On peut, oui, tout à fait, on peut. C'est l'une des recherches qu'on a, justement, de libérer ces choses qu'on a en nous pour avoir que du positif. À la fin, oui, c'est ça. Ouais. Je pense que derrière, enfin, c'est peut-être une question dirigée, mais le fait que leur relation, tu disais tout à l'heure, Julien, leur relation professionnelle à l'extérieur s'arranger, le fait qu'ils soient apaisés et avoir un meilleur contrôle d'eux. Il y a ça, et aussi prendre distance sur les choses. Comme on dit, y a, voilà, parce que l'art martial, c'est pas comme d'autres disciplines, comme le sport, comme le football. C'est, comme on parlait par rapport avec moi, le sensei a une relation différente avec chaque élève. Parce que chaque élève est différent. D'accord, donc chaque relation est particulière. C'est, c'est important que chaque personne, en fin de compte, apprenne à sa façon. On est tous différents. Et dans un dojo, ça, c'est vraiment important que ça soit respecté. Les morphologies, les comportements, l'éducation nous forme, en fin de compte, au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps. Donc tout ça, ça doit être vraiment respecté. Et on ne peut pas apprendre à Julien, comme à Adrien, mon autre fils, comme à Baptiste, comme voilà, c'est notre élève. Chaque personne va être différente. Donc ça, c'est vraiment important de respecter, en fin de compte, les façons, on va dire, d'apprendre de chaque personne. Donc il n'y a pas vraiment de classe comme on le fait stupidement dans l'éducation nationale, non. Où on doit passer et avoir des clés dans un tronc commun, hein, le bac, hein, en gros, pour aller dans les études supérieures. Là, tu adaptes l'enseignement, vous adaptez l'enseignement à chacun des pratiquants, selon leur niveau, et il n'y a pas de « tu es arrivé plus vite que moi », il n'y a pas de ça. Voilà, ça c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Il n'y a pas de compétition. Voilà. C'est chacun avance à sa façon, à son rythme, son niveau et à son rythme. Comme vous parlez de l'éducation nationale, l'art martial ne peut pas être comparé du tout avec l'éducation occidentale. Ouais, c'est clair. Il y a des méthodes martiales qu'il y en a qui vont être choqués, dire pourquoi il fait ça. Il y a des grades qui vont être donnés juste pour essayer de motiver la personne. Mmh. Elle a peut-être été faux tout techniquement, mais je te donne le grade parce que tu en as besoin autre part. Valoriser, confiance en soi. Et qu'elle a fait son maximum. Qu'elle s'est donnée au maximum ce jour-là et pendant toute l'année, parce que c'est le jugement au niveau d'un grade, c'est pas qu'un moment, c'est tout le temps. Là, c'est marrant parce qu'on rejoint l'enseignement des quatre accords Toltec, fait de ton mieux chaque jour. Hein, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas mieux que. Tout à fait. Nous, on a une phrase dans les rituels, au début, enfin, rituel dans les saluts, ce qu'on appelle les ré, où chaque dojo a une phrase au début, et nous, avec trois claquements. Nous, c'est Ikanaki. On peut la traduire par un seul coup de poing, anéantir le démon. Dit comme ça, ça fait très mystique. Là, on va dans les films américains. Ou dans le combat, tuer son adversaire d'un coup, etc. Mais c'est au-delà de là. Là, c'est une phrase de motivation un peu à la japonaise, comme aux États-Unis, never give up, no pain, no gain. Là, c'est Ikanaki, c'est à chaque fois faire mieux, quoi. Détruire le démon qui est en moi, qui m'empêche, la peur, la colère. À chaque fois, j'y vais à 100%. Dans le moment, en fait, c'est pas pendant deux heures, c'est vraiment à chaque instant. La seconde est passée, je me suis donné à fond, quoi. Puis après, j'enchaîne les secondes pour que les deux heures soient au taquet, quoi. Ce qui fait qu'à chaque entraînement, il y a, pour ainsi dire, zéro regret. On a fait de son mieux et on est toujours satisfait de ce qu'on a produit, de ce qu'on a appris. Hein. D'où il y avait Henri Play qui avait sorti un de ses élèves. C'est là où on voit les... Il avait essayé de faire un kata, un mouvement codifié. Et Henri Play, le pionnier des arts martiaux en France, lui avait dit « C'est tout faux, mais c'est très bien. » Dans le sens que... Techniquement, c'était nul, mais vraiment nul, c'était faux. Mmh. Mais très bien dans le sens qu'il est venu jusqu'à Paris, il s'est donné à fond pendant le kata, donc là, il n'y avait rien à dire. Mais c'était tout faux. Et l'art martial, c'est ça. On peut très bien dire, c'est tout faux, mais c'est très bien. Et là, c'est compliqué, comme on disait à l'école, d'avoir un devoir où c'est très bien, tu as fait tout faux ton devoir d'histoire, mais c'est très bien. Non. Mais là, martial, on peut avoir des choses comme ça. S'il a tout faux, mais qu'il a fait très bien, c'est parce que l'intention et l'énergie y étaient. C'est ça. L'intention, l'énergie, le cœur, tout ça y est. Et était là, c'est ce qui compte. Il s'est battu comme un tigre pour avoir quelque chose, même s'il n'avait pas la patte du tigre pour l'exécuter. Hein. Voilà. On va dire ça comme ça, j'ai l'art de la formule. Tout était là, ouais. C'est très bien. Ça, c'est martial. Voilà. Adaptation. C'est ça. C'est un peu logique qu'on pense différemment. On apprend sur soi-même, on apprend à mieux se connaître. On apprend sur les autres. Voilà, et à se contrôler, le self-contrôle aussi. Prendre du recul, tu le disais tout à l'heure, et c'est ça qui est très, très intéressant. Par contre, après, au niveau, on va dire, plus subtil, est-ce que finalement, on finit par ressentir énergétiquement l'humeur des autres ? Je vais un peu plus loin, mais est-ce que ça ne développe pas une sorte de ressenti qui est un peu endormi lorsqu'on ne pratique pas les arts martiaux ? Ça développe cette intuition ? Tous les arts martiaux, on parle de perception. On parle de ressentir les choses, tout à fait. On essaye de ressentir... C'est par la force de la pratique qu'on ressent ça ? La force de la pratique.
Et mais après, je dirais que tout le monde l'a. Tout le monde, on va dire, quand on se connaît plus ou moins bien, ouais. Voilà, dans la famille ou dans les amis, au premier regard, on voit la personne. Oula, ça va pas. Ça va pas, ouais. Aujourd'hui. Mmh. Donc c'est ça, mais pousser un petit peu plus loin. Voilà. Mais quand tu dis que tu ressens ça, Laurent, c'est oui. Quand tu reçois la personne, est-ce qu'il y a une sorte de champ un peu magnétique qui émane de la personne, comme un ki avec un rayon qui rentre dans ton cercle intérieur, où tu dis waouh. Cette personne n'a plus de jus, là. C'est autrement, c'est encore autre chose. C'est pas loin de ça. Voilà. Voilà, il y a quelque chose qui est similaire, ouais, tout à fait. Où en es-tu, toi, Julien, de ce côté-là? Est-ce que tu perçois aussi, est-ce que tu as ces perceptions qui s'aiguisent avec le temps par la pratique? Oui. Après, de toute façon, l'art martial, y a, voilà, on travaille toutes les facettes. Donc il y a ce ressenti. Comme on dit des fois, on a, au dojo, on arrive des fois dans des soirées ou dans des trucs comme ça, on ressent dans la pièce où il y en a un qui dégage une mauvaise énergie. Il y a quelqu'un... L'ambiance, elle est lourde, là, la pièce. Là, tu dis, il y en a un qui est en train de nous plomber l'ambiance, voilà. Sévère. On est d'accord, quelque chose qui émane. Voilà. Bah là, c'est travailler cette chose-là pour que ça soit vraiment fin et tout de suite avoir le truc, dire, ah, il y a un truc qui ne va pas. Et donc ça, on peut le travailler aussi dans la self-défense ou du coup, éviter le combat. Je vais dans une ruelle, je ne le sens pas, les gens... Sans jugement, c'est pas parce qu'il a un jogging casquette à l'envers que forcément il va me mettre un coup de couteau. Mmh. Ça peut être très bien quelqu'un en costard cravate, la belle mallette, et sentir, et du coup faire demi-tour. Là, on est dans la pure self-défense, parce que j'ai fait demi-tour avant même qu'il y ait quelque chose. Oui, la meilleure défense, c'est d'éviter... C'est d'éviter le conflit, voilà. C'est de stopper les... Et c'est ce que veut dire l'art martial, quand on traduit, on va dire, basiquement, Budo, la voie de la guerre, on traduit ce terme, la boue qui est là-bas... Ça veut dire l'art d'arrêter les conflits, l'art d'arrêter la lance. Donc l'art d'arrêter la guerre, c'est-à-dire stopper la guerre avant qu'elle commence. Le vrai but, pour moi, de ce que j'enseigne, c'est justement de stopper tous les conflits. Autant les conflits extérieurs qu'on peut avoir avec les gens, donc même verbal, hein, pas que simplement des conflits physiques, et les conflits qu'on peut avoir aussi internes. Oui, ça rejoint le fait que la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est de ne jamais commencer. Voilà. Hein, donc c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, on va partir sur le fait que le côté recherche et développement. Alors, c'est bien de faire de la recherche et développement, mais est-ce qu'il y a une autorité supérieure auquel on remise tout ce qui a été découvert? Parce que je pense que ce n'est pas le seul. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une sorte de centralisation des données, des différents dojos spécialisés aussi dans la recherche et développement, une sorte de rassemblement? Est-ce que c'est consigné, tout ça? Non, alors, non. C'est, on va dire que ça va dépendre des courants, ça va dépendre des écoles, ça va dépendre des dojos. Il y a des dojos qui vont dépendre de telle école, donc de tel courant, de telle fédération. Mmh. Voilà, il y a un petit peu, on va dire, au niveau martial en France, en Occident, au Japon, il y a différents groupes, il y a différents groupements. Il n'y a pas une seule référence, il y a plusieurs références. Voilà. Et selon le courant où on est rattaché, eh ben on sera rattaché donc à telle fédération, à tel maître. Et voilà. Et donc les recherches, les résultats sont confiés à la fédération dont on dépend? En tant que dojo ou pas forcément? Pas forcément. Ce sont des archives qui restent dans le dojo. Internes. Qui sont internes. Est-ce que quelquefois il y a des dojos avec lesquels vous échangez justement vos recherches? Alors, qu'on échange nos recherches, mais qu'on échange, oui. On a des très bonnes ententes avec certains dojos, même de la région, hein, un petit peu partout. On a par exemple le Bujinkan Satori à Valence, qui est dirigé par David. Le Fudoshin Institute. Un petit peu plus bas vers Montélimar avec Hervé Lédier aussi qui est quelqu'un d'excellent, très bien. Après, on est un petit peu plus haut dans le Jabron, avec Pierre-Yves, voilà. Donc on connaît plusieurs personnes un petit peu dans le coin qu'on a rencontrées grâce aux rencontres Budo qu'on fait. Donc c'est pour ça que c'est Julien qui avait trouvé ce terme de rencontre Budo, et ça va très bien parce que on rencontre des gens qui nous permettent aussi d'avancer, de progresser. Et, ça c'est important. C'est toujours des échanges de cœur, ça qui est important. Mmh. Alors pour toi Julien, lorsque il y a ces rencontres avec d'autres dojos, est-ce que tu te retrouves un peu avec ce côté je suis le papa du sensei et puis l'autre dit moi aussi tiens entre fils de sensei on va se comparer. Est-ce qu'il y a ce problème des fois d'ego quand on retrouve, est-ce qu'il y a une crainte de l'un à l'autre de savoir quel niveau il y a ou quoi que ce soit? Parce que même si c'est pas l'état d'esprit. L'erreur est humaine, hein. L'erreur est humaine. Voilà. Tout à fait. Et on peut des fois, par moment, dans certaines circonstances, perdre ses repères. Non, hein, non, c'est pas le cas. Non. Bah, alors, je veux dire, on invite que des gens de confiance, des gens que mon père connaît depuis des années, pour certains comme Jean-Paul Sousa. Donc on sait très bien qui on invite. Des gens qui seraient comme ça, on les invite pas. Par contre, c'est vrai qu'à la limite, il y a peut-être plus ce côté-là, vu que je suis le fils du sensei. Bah voilà, c'est un peu parce qu'il y a des très bonnes ententes que avec certains maîtres, c'est. Vraiment, il y a des liens, donc c'est un peu le petit-neveu, voilà, il y a plus des liens comme ça. D'accord. Ça a plus dans ce sens-là, il n'y a peut-être pas des préférences, mais voilà, je me sens soutenu, encouragé par ces gens-là. Et ils n'ont jamais voulu me changer de voie.
plus m'encourager à dire continue, c'est bien, voilà. Alors on va parler d'un sujet un peu particulier, d'un volet qui est un associé, je pense, les personnes qui nous regardent, c'est est-ce que quelque part, ils ne viennent pas chercher ici la stabilité et la structure qu'ils n'ont pas eu chez eux, à l'intérieur, pour avoir, justement, on parlait que c'est codifié, donc avoir un respect du salut, etc., tout ce qu'ils n'ont pas, en fait, finalement. Est-ce que tu sens cette demande, lorsqu'ils viennent, de dire « j'ai besoin d'être cadré parce que je n'ai pas eu de cadre ». Alors, moi, personnellement, je n'en ai pas eu. Voilà, j'ai pas eu dans une région où il y a pas voilà. ça. J'ai pas eu de gens, on va dire, de jeunes comme ça qui sont venus, mais je considère que le martial est utile pour eux. Oui, tout à fait. Ça leur apporterait énormément. Ouais. Il y a une recherche de ce côté-là aussi à faire. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés grâce aux arts martiaux. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est Pascal le Grand Frère. Oui, la première génération de Pascal le Grand Frère a, et il le dit souvent, ces arts martiaux, le kung-fu, qui l'ont aidé. Jean-Pierre Vigneault, qui est un grand karatéka, c'est ça qui l'a aidé aussi. Donc il y a aussi un moment, il y a, comme on disait, chaque personne va dans un dojo pour une raison différente. Il y en a, ça va être pour le sport, bon, ils vont faire du karaté sportif, ramener des médailles. D'autres parce qu'ils ont été battus par leur mari, donc ils ont besoin de confiance. D'autres simplement parce qu'à l'école, bah, ils ont été humiliés, tout ça, ils veulent quelque chose. D'autres qui cherchent le côté historique, rapprocher des guerriers japonais. D'autres qui commencent en disant bah, « je veux faire comme Chuck Norris ». Oui. Donc voilà, c'est pour ça, il y a tellement large. Vous verrez chaque personne d'un dojo, ils vous diront une chose différente. Le retour que tu as, toi, tu disais tout à l'heure, par la suite, il y en a, quand ils viennent pour le combat pur, souvent, ça finit par s'arrêter au bout de X cours. Ouais. Est-ce que tu vois une évolution de ces personnes-là qui disent « je suis venu pour le pur combat au début, mais j'ai découvert autre chose ». Oui, aujourd'hui, ça j'en ai eu. Je continue, ouais, j'en ai eu. Oui, parce j'en que eu. Franchement, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Ils ont compris le vrai sens en faire de l'art martial. Tout à fait, ça j'en ai eu, oui. Des gens qui viennent que pour ça, que pour le combat pur, la self-défense, et qui restent après parce qu'ils découvrent autre chose. Oui, ça, il y en a beaucoup. Ouais, parler de, par exemple, si tu veux, de Bruce Lee, quelqu'un m'a dit « c'est un excellent exécutant, mais pas plus, quoi ». Alors, entre guillemets. Alors, Bruce Lee, c'est... Bruce Lee. J'ai fait une vidéo sur ça, déjà allez la voir. Bruce Lee, c'était un ex. C'était. Un, voilà, comme, fait la vidéo, comme Julien a fait une vidéo dessus, il a pris un bon terme. Bruce Lee, c'est un pratiquant avant tout. Et ceux qui ne reconnaissent pas que c'était un pratiquant, ils ont tort. Voilà, c'était un vrai pratiquant qui avait une vraie recherche martiale, qui a utilisé le cinéma pour justement démystifier les arts martiaux et apporter quelque chose aux arts martiaux et surtout les faire connaître, surtout les arts martiaux chinois à cette période-là. Donc, non, c'était un vrai pratiquant, un bon pratiquant. Faut pas inverser. Voilà. C'est pas un acteur qui était pratiquant, c'est un pratiquant qui est devenu acteur. Et souvent, les gens qui critiquent, ou on va dire, qui vont dire que Bruce Lee, c'était un bon exécutant, mais pas un bon pratiquant, ou des choses comme ça, c'est des gens qui n'ont regardé que ses films. Ses films, c'est un aspect de Bruce Lee, c'est juste du cinéma. Si on regarde ses films, on voit qu'il y a une évolution dans ses films. Progressivement, quand lui devient, commence à, on va dire, à régler ses combats, à mettre un petit peu en place le scénario, il y a des choses qui changent dans ses films. Malheureusement, bon, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses idées. Mais c'était un pratiquant, un bon pratiquant, qui a fait énormément de recherches, qui a énormément écrit, qui a énormément... Et qui mettait en avant l'esprit aussi. L'esprit, oui, qui n'était pas simplement un combattant, qui mettait même vraiment en avant, oui, cet esprit martial, oui, avec cette recherche. Donc il a écrit énormément de choses, il y a plein de livres qui sont sortis sur lui, de ses écrits. Donc j'invite plutôt les gens à lire ça, que de simplement regarder ses films. Et de surtout pas aller voir La naissance du dragon, qui est une catastrophe. C'est une catastrophe, ça montre un Bruce Lee trop arrogant et qui est très éloigné de la vérité au niveau de l'histoire. C'est tout à fait le problème, vrai. C'est qu'au bout d'un moment, on a mélangé les deux. On a mélangé le vrai Bruce Lee et on lui a mis un peu la part de ses personnages dans sa vraie vie. Et du coup, ça a été un mélange de tout. Ouais. Et du coup, Bruce Lee se comportait comme ça, mais non, c'est... Donc non, Bruce Lee, c'est un bon pratiquant, vraiment un bon pratiquant, et qui était en avance sur son temps. Ouais. En avance sur son temps, peut-être que le cinéma a voulu aussi se rattraper, entre guillemets, des bévues qu'ils ont pu faire avec les différentes biopics un peu, entre guillemets, loupé qu'ils ont fait sur lui, hein, pour la plupart. Mais par contre, ils ont essayé de corriger peut-être le tir avec Ip Man, un de ses maîtres, sachant qu'il faut aussi rétablir une vérité. Bruce Lee n'avait pas qu'un seul maître, il en a eu plusieurs. Tout à fait. Voilà, Ip Man faisant partie d'un des principaux qu'il a vraiment influencé. Mais là, ça me fait plaisir d'entendre. que tu connaisses aussi bien Bruce Lee, ça me fait plaisir. Oui, j'étais fan, forcément. Alors, non, on peut faire bien le jeu de cette famille pour tant qu'à faire. On a fait une sorte de chronique sur Bruce Lee. Qu'en est-il de Jackie Chan, par exemple? Alors, Jackie Chan, il a un autre parcours, c'est lui, il vient du cirque. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, c'est un très bon pratiquant aussi, très très bon pratiquant, un très bon acteur, dans une autre recherche que Bruce Lee. Et surtout, il voulait se démarquer de Bruce Lee.
Il l'a dit plusieurs fois dans des interviews. Hein. À l'endroit où Bruce Lee va taper fort, lui va taper en ayant mal au poing. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'était ouais, une autre recherche. Il voulait pas marcher dans les pas de Bruce Lee. Et recopier Bruce Lee. Il y avait Bruce Lee, il y avait Jackie Chan et il y avait Jet Li. Il disait « I wanna be a star hein ». Voilà, il n'arrêtait pas de le répéter. Ça, c'est... Jet Li, c'est un peu l'outsider entre les deux, entre Jackie Chan et Bruce Lee. Ouais. Qu'est-ce qu'on... C'est le poulet d'or ou autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon pratiquant aussi. C'est un très bon pratiquant, Jet Li, mais plus dans le wushu, on va dire wushu traditionnel, on va dire le kung-fu traditionnel, wushu un peu moderne aussi. Donc c'est un style complètement différent. C'est vrai que c'est bien que tu le dises, les trois ont vraiment un style totalement différent. C'est vrai. Une approche totalement différente des arts martiaux. Alors les arts martiaux intègrent le karaté qui est plutôt vient du Japon. Okinawa pour être voilà, exact. Okinawa. Il y a de l'autre côté le kung-fu qui est plutôt de Chine. De Chine. Où se situe le cédram? Kung-fu, karaté, ou mélange des deux? Alors, le cédram, c'est surtout le Japon. Surtout le Japon. Japon avec, et surtout Okinawa, avec voilà, des choses au niveau du karaté d'Okinawa. Est-ce que le kung-fu, le karaté sont aussi imperméables entre eux, ou il y a des c'est lié, de toute façon, c'est lié. Voilà, je considère il y a une racine commune. Oui, une racine commune, ouais, tout à fait. Déjà sur l'état d'esprit, hein, je suppose aussi. Sur... Et puis au cédram, on pratique le qigong, on pratique aussi le tai chi. Ah, d'accord, voilà, okay, ça c'est intéressant. Qigong et tai chi. Alors, par exemple, le tai chi, je pense que c'est l'art martial, je crois, le plus méconnu, entre guillemets, où on a du mal à s'identifier. Le karaté, tout le monde sait. Le kung-fu, on voit. Ouais. Tai chi, c'est quoi? Bon, le tai chi, c'est bien que tu le dises, souvent on considère comme une gymnastique. On dit une gymnastique pour femmes, aux personnes âgées, de bien-être. Alors c'est vrai que ça peut l'être. C'est ça qui est intéressant, de toute façon, avec toutes ces voix, c'est que ça convient à tout le monde. Donc ceux qui veulent faire que voilà, une petite gymnastique de bien-être au niveau articulation, au niveau musculaire, le tai chi c'est très très bien. Ils ont pas ça apporte. Ça apporte. Mais à la base, c'est vrai que c'est un art martial. Chuan, c'est le point, voilà, le point du fait suprême. Donc le tai chi chuan est un art martial. Dans l'imaginaire des personnes, on voit souvent des mouvements faits le matin hein, par le peuple asiatique, que ce soit japonais ou chinois. Ça peut être du tai chi, ça peut être du qigong des fois aussi. Ça peut être l'un ou l'autre. Ouais. À quoi ça sert concrètement? À rééquilibrer, à réaligner les énergies avant de démarrer la journée? C'est ça. C'est ça. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour c'est faire le petit simple. Déjeuner énergétique. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc ils prennent leur bol de céréales derrière. Et le qigong, c'est vraiment le travail sur le qi. Kong travaille sur le qi, sur le qi, sur l'énergie. C'est ça. Quand vous enseignez le qigong, est-ce que là aussi des personnes sur le plan physique ont moins de douleurs, par exemple, s'ils avaient, des douleurs chroniques au dos, au bas du dos, avec le qigong, s'aperçoivent qu'au bout de quelques mois de pratique, il y a une amélioration. On a des gens, des personnes âgées qui viennent au cours de qigong et qui disent que voilà, au niveau épaule, au niveau sommeil, au niveau plein de choses, ça va tout beaucoup. Tout s'améliore. Et ça juste avec le tai chi. Déjà et le qigong, hein, tout à fait. Pour commencer. C'est des mouvements simples. Qui permettent voilà, de. Voilà. Une limite d'âge pour commencer, pour démarrer ou autre? Est-ce qu'il y a. Tout le monde est accepté? Tout le monde est accepté. Alors, au dojo, comme j'ai au Cédram, à la Kokoro-Yu, tout le monde est accepté. Voilà. Il n'y a pas. Bon, alors, bien sûr, on ne va pas commencer à 2 ans, ça commence à 5 ans. T'es plus jeune. C'est... À partir de 5 ans et voilà, jusqu'à 120 ans, on peut. Voilà. Ah, d'accord, sans aucune limite. Sans aucune limite, ouais. On peut toujours travailler, on peut toujours progresser, on peut toujours. Puisqu'on respecte les capacités de chacun. Tout le monde peut travailler, tout le monde peut progresser. Et quel que soit son travail, quel que soit son âge, sa religion. Pour faire un clin d'œil à Yannick, son parti politique, Yannick. Tout le monde, nous, est bienvenu au Cédram. Yannick, si tu nous entends. Sensei apprend, donne, on va dire, comme un capitaine de bateau, le cap général, en fait, hein, de la barque. Mm. C'est lui qui mène la barque tout de même. Et de ton côté, est-ce que tu es son officier premier qui va s'occuper par exemple des cours récurrents ou des exercices, on va dire, qui ne demandent peut-être pas toute son attention? Tu t'occupes de ça? Tu fais comment ça marche, en fait, au niveau de la répartition? C'est un peu ça. Sur le coup, j'avais une image qui me venait quand tu me parlais. Ça fait un peu le berger. Ouais. Et il y a le border collie qui ramène un peu les moutons. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Mais dans le dojo, ouais, il y a un régime pyramidal qui est à respecter. Il y a le sensei. Il y a les enfants, qu'on peut appeler Waka-sensei. Il y a les senpai. Et il y a les ryusha, les koai, les débutants. Donc, je ne vais pas corriger spécialement les débutants, parce que les débutants, les plus petits senpai vont déjà se corriger. Mais après, oui, les co-enfants, j'assiste. On va dire, je suis en haut, du coup, je corrige les senpai qui vont corriger les plus débutants, et ainsi de suite. Donc, il y a une entraide vraiment mutuelle. Voilà, c'est comme ça, une famille, sa ceinture. C'est exactement ça. C'est l'idée de cette relation senpai-koai, c'est que chacun aide l'autre. Le senpai, il ne peut pas progresser sans le kohai, et le kohai ne peut pas progresser sans le senpai. Mais c'est vraiment l'idée de lien. Comme une famille, il y a le grand frère qui corrige
le petit frère qui va changer la couche au bébé. On parle de dynastie à ce niveau-là, hein, puisqu'on est beaucoup, on est plusieurs dans. Et j'aime bien parler de famille dans un dojo parce que je considère, bon, moi c'est voilà, c'est ma façon de, c'est mon approche martiale, c'est qu'on doit avoir de l'affection dans un dojo, on doit avoir de l'affection pour ses élèves, c'est important, parce que c'est une preuve de confiance qu'ils viennent, parce qu'ils voilà, ils nous font confiance parce qu'on enseigne quelque chose. Donc on doit avoir ouais, de l'affection pour eux. Combien d'enseignants, combien de pratiquants ou d'élèves réguliers au CEDRAM actuellement? Au CEDRAM, si on prend toutes les activités du CEDRAM, on est une centaine. Ah, c'est pas mal. Voilà. Toutes les activités confondues, entre le Qigong, le Tai Chi, le Shiatsu, le Reiki et le Martial, on est une centaine. Il y a des gens qui se sont mis en parenthèse à leur compte pour le Shiatsu, d'autres qui enseignent le Reiki de la méthode, il y en a même un qui enseigne en Guadeloupe. Ça, Guadeloupe. Donc voilà, c'est assez vaste. C'est large. Bien, pour conclure, je vais poser une dernière question qui peut-être occupe votre esprit comme il occupe le mien, à savoir, est-ce que tous les sensei qui enseignent les arts martiaux connaissent la langue d'origine de l'art martial, autrement dit ici, le japonais? Réponse. Non, tous les sensei ne connaissent pas le japonais ou le chinois selon la discipline. Voilà. Non. Il y a une connaissance de la culture, du protocole. Je considère qu'il faut l'avoir. Oui. Voilà, faut avoir ça, c'est une connaissance minimale. Ouais, mais il n'est pas obligatoire de savoir parler japonais ou chinois pour pratiquer. Voilà. C'est intéressant, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et toi qui es plus jeune, Julien, est-ce que tu peut-être prévois d'apprendre la langue aussi pour mieux intégrer, je ne sais pas, une idée comme ça folle. On apprend bien l'anglais, pourquoi pas le japonais? Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est, on va dire, ça se fait progressivement avec le martial. C'est plus on évolue, plus on apprend des termes, plus on s'intéresse, parce que comme on dit, l'art martial, c'est large. Donc forcément, on passe par la culture, l'histoire. On s'intéresse à des maîtres japonais. Donc forcément, à force de les écouter, on apprend des mots. Voilà, c'est à force, tout va ensemble. Ouais. Alors, sachez qu'il y a une chaîne YouTube spéciale qui est tenue donc par Julien Boucher, ici, présent à mes côtés. Bah, présente ta chaîne YouTube, elle s'appelle comment ? Ronin Production, Ronin Martial Production. Voilà, elle a été renommée il y a peu de temps. Oui, il y a peu de temps. Au départ, c'était un nom provisoire, parce que bon, la chaîne CEDRAM, elle existe depuis longtemps. Oui. Ça fait longtemps que je fais de la vidéo, ça fait énormément longtemps que j'adore ça. Du coup, au départ, c'était juste CEDRAM, on mettait des petites vidéos promotionnelles très rapides, du CEDRAM, progressivement, on a... C'était déjà eux qui les faisaient, Julien et mon autre fils Adrien. On faisait déjà les vidéos. 10 ans, 12 ans. Sur Movie Maker, oui. C'est pour dire. Ouais. Et du coup, progressivement, j'ai développé, on s'est dit, pourquoi pas avoir une continuité, on va dire, de l'enseignement. Ouais. Donc, dès le centre, le développement, la recherche. Du coup, on l'a appelé ça Martial Vidéo Production. Et après, l'idée, parce que j'ai fait ni école de vidéaste, j'ai rien fait, j'ai appris mes montages. Donc, en autodidacte. Hein. Voilà, tout ça, tout en autodidacte. Du coup, je me dis, l'idée du Ronin, le samouraï sans maître, était intéressante. Que le Ronin, c'est en parcourant le Japon, tout ça, apprendre des connaissances comme, tiens, là, le micro, tout ça, c'est en... Mais je ne vais pas aller à un cours, bonjour, monsieur le professeur. Non, c'est avec les rencontres. Et l'expérience. Et l'expérience. Donc, c'est pour ça, l'idée de Ronin. Tu as fait, comme tout le monde, des fois, des catastrophes en vidéo, en filmant, et tu as corrigé au fur et à mesure. Donc, tu as appris sur le tas. Sachez que les images, les extraits que vous voyez des démonstrations sont issus donc, des films de Julien. Hein. Je le remercie au passage pour le prêt de ces films, pour pouvoir illustrer ce reportage. C'est formidable d'avoir ça. Chacun son métier. Moi, je sais faire des interviews. Lui, c'est filmer le mouvement. Et voilà, comme ça, tout le monde est bien à sa place. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie Laurent et Julien de m'avoir accueilli au dojo. Je vous salue à tous et merci. Au revoir.